Aujourd'hui, je reviens pour vous partager mon avis sur le film Cruella, qui est sorti en France au cinéma le 23 juin 2021, sachant qu'il est déjà sorti depuis plusieurs mois en streaming sur Disney+, dans d'autres pays. A noter bien sûr que cet avis n'engage que moi, mais en tant que passionnée de cinéma, chroniqueuse et critique depuis plusieurs années, bien sûr, je vais à chaque fois vous expliquer pourquoi j'ai pensé ça du film. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, puisque le premier coup, je sais pas ce qui s'est passé, mais la vidéo a disparu dans les limbes de mon PC, je ne l'ai pas retrouvée. Les photos de la miniature, elle n'avait pas disparu, c'est vraiment juste la vidéo qui s'est envolée. Pour commencer, je dirais que dans le film, il y a plutôt trois points que je trouve réussis. Le premier, c'est le casting. Là, vous allez vous dire, normal, Emma Stone, quoi. Moi aussi, j'aime bien Emma Stone, mais là, je pense plus particulièrement à Emma Thompson, qui pour moi était juste grandiose dans son rôle de la baronne. Et même pour le casting secondaire, j'ai trouvé que c'était pas mal, voilà, il n'y a pas d'erreur de casting, on va dire. J'ai aussi trouvé que le film était joli visuellement, au niveau réalisation, niveau esthétique, et particulièrement les entrées en scène de Cruella quand elle arrive dans les réceptions à chaque fois avec ses tenues et ses mises en scène. J'ai trouvé ça vachement chouette, vachement spectaculaire, et c'est vraiment le côté fun du film qui m'a, je pense, le plus fait kiffer. Et on s'arrête là pour les points positifs. Ouais, malheureusement oui, j'ai pas du tout apprécié ce film, et je vais bien sûr vous dire pourquoi. Déjà quand les visuels ont été révélés, j'étais en mode... On dirait des couvertures des romans Hachette avec les méchants Disney en héros quoi. Ce fameux Mezzosi là qui a fait parler tout le monde sur les réseaux, mais franchement moi aussi j'ai lu ça le premier coup quoi. Bref. Mais après c'est comme la couverture d'un livre, hein. Une affiche ne fait pas tout clairement. Et bien que la bande-annonce m'ait pas du tout emballée, je me suis quand même dit pourquoi pas, je veux bien être surprise. Mon premier problème avec ce film c'est que je trouve que l'écriture est absolument... Je comprends pas comment on ait pu avoir des idées comme ça, qui sont aussi mal amenées, qui sont aussi grotesques et ridicules pour la plupart, et qui concernent des points quand même importants de l'histoire et surtout du personnage. J'ai vraiment l'impression que ce film, il a été écrit, voilà, en une soirée, ils ont fait la fête, ils se sont dit, allez, l'histoire du film, ça va être ça. Ça va être trop bien. Eh ben non. En plus, il y a beaucoup d'incohérences par rapport à la Cruella du dessin animé. Beaucoup de facilité scénaristique aussi, mais c'est d'un ennui, franchement. Les idées sont nulles, voilà. Je suis désolée, mais je trouve que la plupart des idées de ce film sont vraiment nulles. Tous les gros éléments déclencheurs de l'histoire rendent vraiment le film hyper léger, au final, et surtout incohérent. Après, on m'a quand même dit qu'au niveau des dates et de certains détails, c'était cohérent par rapport au film des 100 Dalmatiens avec Glenn Close. Peut-être que le film, c'est vraiment... plus basé sur cette origin story de cette Cruella là, je ne sais pas, je vous avoue que j'ai vu ces films là mais il y a très longtemps, j'en ai vraiment pas de souvenir. Mais à coup de pas, si c'est bien le cas, que c'est cohérent avec cela, voilà. La deuxième chose que je lui reproche, c'est d'être un remake du Diable s'habille en Prada mais version Disney. Et ça c'est totalement ce à quoi je m'étais attendue en fait en voyant la bande-annonce. Donc si vous ça vous hype, peut-être que vous allez kiffer du coup. Mais moi je dois avouer que c'est pas forcément ce que j'attendais d'un film sur Cruella. En plus, Le Diable s'habille en Prada, c'est quand même un de mes films préférés. Je veux dire, je suis pas en train de cracher parce que c'est un film que j'adore vraiment. Et je trouve même que ce côté-là du film Cruella est pas trop mal réussi. Pour moi, Emma Thompson, c'est vraiment la réussite de ce film-là. C'est même pour moi, en fait, la vraie Cruella. Elle renvoyait plus des vibes de Cruella que le personnage d'Emma Stone. Ce qui m'emmène à mon troisième point négatif au final, c'est que Cruella, elle ne fait juste pas du tout Cruella, mais genre... pas du tout. J'ai pas du tout été convaincue par leur version du personnage. Déjà que de base elle est complètement différente de la version que moi je me faisais de Cruella dans ma tête. Mais voilà, quand tu fais un bon film, une bonne histoire, machin, en général t'arrives à convaincre ton public de ta version. Mais là ils m'ont pas du tout convaincue. J'y ai pas du tout cru une seule seconde. Elle est extravagante et parfois elle va un petit peu loin mais... je veux dire, elle est pas méchante, je suis désolée. Pour moi, elle a aucune vibe de méchant en fait. Et surtout pas de Cruella. Les seuls moments du film où elle montre un petit semblant de cruauté, ils sont tellement passés à la va-vite, ils sont presque mis sous silence, que ça marche pas finalement. Je comprends pas pourquoi on n'a pas insisté sur ces points pour montrer qu'elle est vraiment méchante, puisque oui, de base, Cruella est quand même une méchante Disney, je le rappelle. Là, ils l'ont vraiment mais lissée plus qu'un cul de bébé, tu peux pas être un méchant au plus lissé que ça, tu vois, je... Il y a vraiment une différence entre proposer ou justifier l'origin story d'un méchant et le lisser au maximum pour le rendre le plus sympathique possible. Je vais prendre l'exemple de Maléfique parce que vous savez peut-être que j'aime pas trop les films maléfiques. Mais pourtant, même ceux-là,
Je trouve que ça marche tellement mieux que Cruella. On y retrouve aussi ce mécanisme d'une méchante qui de base était gentille, mais encore dans Maléfique, c'est vraiment qu'au départ de nature c'était une fée, qu'elle s'est liée d'amitié avec un humain, que cet humain l'a juste trahi, mais d'une manière quand même bien dégueulasse, je veux dire, il a voulu envahir son pays, détruire sa forêt et lui a coupé les ailes aussi, enfin... Désolée pour les spoils, mais bon, Maléfique, il est sorti depuis un petit moment maintenant. Et franchement, même si moi j'aime pas trop ces films-là, je dois reconnaître que c'est quand même largement plus justifié et cohérent, alors que Cruella, bah pour moi en fait, pas du tout. Petite mise en garde, mais je vais faire un petit spoiler sur le film Cruella. Je sais que c'est une chronique sans spoiler, mais c'est vraiment un point sur lequel j'avais envie de rebondir. Et c'est pas non plus un élément hyper important de l'histoire, hein, je vous rassure, mais juste, voilà, si jamais vous voulez vraiment pas savoir, je vous invite à avancer la vidéo au niveau du timer que j'aurais mis sur la vidéo ou en barre d'infos. Voilà. On insiste vraiment trop sur ses bons côtés, notamment la présence constante de chiens autour d'elle. Parce que oui, Cruella, elle aime pas les Dalmatiens, mais vraiment que les Dalmatiens, c'est pour une raison très précise. C'est pas juste qu'elle aime pas les animaux et les chiens en général. Alors je suis désolée, mais quand j'étais petite, j'avais peur des chiens. Mais en fait, quand t'aimes pas les chiens, c'est les chiens en général. Je veux dire, y a pas de « Oh mais j'adore les chiens », sauf cette race de chiens là, franchement. Rien que ce détail m'a juste super saoulée en fait. Oh, regardez, Cruella n'est pas si méchante, elle aime bien les chiens, c'est vraiment juste les Dalmatiens qu'elle n'aime pas. Et ce, pour une raison bien précise, et en plus totalement débile. Bref, Cruella, je me la suis toujours représentée comme une petite bourgeoise, voilà, qui a été pourri gâtée pendant son enfance, qui a été mal éduquée ou pas éduquée du tout, et qui a vraiment toujours eu tout ce qu'elle voulait. Et voilà, elle a été mal éduquée, donc elle était cruelle, elle était méchante, et elle s'en fout, puisqu'elle est riche et puissante. Même au niveau de ses deux acolytes, enfin... Je vais arrêter de vous donner des éléments, mais franchement, leur relation, je suis désolée, mais en fait, non. Après, j'aime bien ces deux personnages dans le film, c'est vraiment juste leur relation avec Cruella qui m'a pas du tout convaincue. Globalement, j'ai passé un mauvais moment devant ce film, à chaque fois, j'étais de moins en moins dedans. Je comprenais vraiment pas les choix, les incohérences qu'il y avait pu y avoir, le délire avec le ton employé, enfin... Pour moi, c'est juste un film qui en met plein les yeux, et encore. Et qui est peut-être un petit peu fun, c'est vrai que la deuxième partie m'a quand même beaucoup plus plu que la première. Mais ça reste superficiel, on va dire. Franchement, je me suis pas du tout investie dans cette histoire, dans ces personnages. À part la baronne, une fois encore, que je trouve géniale dans son rôle. Mais les autres... C'est vraiment le diable s'habille en Prada, version Cruella, avec une espèce d'héroïne un petit peu extravagante et pseudo-cruelle. Et surtout un gros coup de pub pour les Galeries Lafayette, j'ai l'impression, parce que ça respire les Galeries Lafayette à chaque instant. Bref, j'arrive pas à le voir comme un film, en fait. Je sais pas trop comment expliquer mon ressenti, mais en fait, je pense que je veux l'effacer juste de ma mémoire. Il respire tellement pas les vibes de Cruella pour un sou que je préfère juste oublier ce visionnage. Après, si vous, vous en attendez absolument rien, si voilà, vous voulez juste aller voir le film bah, pour la déconnade ou au pire pour les acteurs, et que vous en avez rien à faire du côté cohérence, Cruella, Disney, machin, franchement, il y a des chances que vous l'appréciez, il y a quand même pas mal de gens qui ont aimé le film, a priori. Mais voilà, je dois avouer qu'en tant qu'origine story de méchant, en tant que film de méchant, moi je le trouve vraiment mauvais. Au début, je voulais être un peu plus sympa. Je me suis dit, il faut juste oublier que c'est un film sur Cruella, il faut oublier le personnage, il faut oublier les Disney, machin bidule. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu idiot comme réflexion, puisque ça revient à dire, ah oui, dis donc, je trouve que cette personne, elle est vachement belle, mais de loin, à 100 mètres, dans le noir... De profil, bref, je pense que vous avez compris l'image que je me fais. Qu'on le veuille ou non, ça s'inscrit comme un remake, une origin story sur un méchant Disney. Donc, à partir de là, je trouve que de base, va quand même y avoir de la matière par rapport à ça. Que ça doit être un minimum cohérent, que ça doit un minimum coller à la vision, à ce que le film fait passer. Et franchement, la seule scène que j'ai vraiment appréciée, c'est la scène post-générique. C'est pour vous dire. Cruella, c'est Emma Thompson, voilà, c'est tout. Même si de base, c'est pas elle dans le film, bref. Non, je vais juste rentrer chez moi, non, j'étais déjà chez toi, Justine. Je vais juste oublier ce film, voilà, je vais poster cette vidéo, et une fois qu'elle est postée, je ne veux plus en entendre parler. Une fois, ça m'a suffi. Et voilà, bah, j'espère que pour vous, en tout cas, vous passerez un meilleur moment devant et que ça vous plaira. Sur ce, je vous laisse ici, et puis je vous retrouve très bientôt, j'espère, sur cette chaîne pour de prochaines vidéos. Jusque-là, prenez soin de vous. Ciao !